Les questions climatiques vont au-delà de simplement des questions climatiques. Quand on pose la question du climat, on pose la question de l'organisation générale de la société. Et on voit très bien que pour le moment, il y a une tendance à renvoyer dos à dos les acteurs qui militent pour le climat et les acteurs qui militent pour plus de pouvoir d'achat. Or, nous, on pense que c'est possible vraiment d'avoir des politiques qui associent à la fois une justice climatique et une justice sociale. D'une part, il doit avoir un effet sur les candidats et les candidates politiques. Et évidemment, après le 26 mai, c'est comme ça qu'on va regarder les déclarations gouvernementales. Mais il doit avoir un effet aussi par rapport à la société belge, pour qu'ils votent en conscience de ces enjeux-là. Et que c'est comme ça que le 26 mai, on obtiendra peut-être une toute autre Belgique.